Très bien, merci. Vous allez bien beaucoup l'andabiso sur Kleboa Original.net du grand prêtre César Ngadipe Tchamaloba officiel. Merci pour la confiance et fidélité. Vous avez un bon confiance et fidélité. Vous avez un courage. Il y a que servir bino na ta oyo boko zila biso to servir bino toujours derrière l'actualité to zali wana to kosa la bino mosala en direct de la République démocratique du Congo. Donc merci na Benike boza na sima caméra. Alors déjà bomoni yango na titre, donc la femme de l'honorable Jean-Marc Kabund Kabund aza bongo convoqué isengel na ye akende ko se justifier Natina ya ba propos na ye o akende ko loba na vice gouverneur na kombo ya Jekoko Mulumba. Alors azabongo convoqué Jekoko Mulumba nde afundiye, donc toko yisa bino Jekoko Mulumba nde afundiye. Alors pona ko zo ba éclaircissement toko benga bongo en duplex mona mboka Boazo azali bongo communicateur ya Alliance pour le changement eza bongo parti cher ya mona mboka honorable Jean-Marc Kabund Kabund po apesa biso Moulaï ya makambo e koleka tope bit ya plainte oyo mwana mboka Jekoko Mulumba ke iko funda madame Christine wazali bongo mwasi ya honorable Jean-Marc Kabund wa Kabund. Alors la toko benga ndeko Boaz akoza na biso en ligne po pesa biso na Moulaï ya sango oto zui na mokolo ya lelo concernant plainte oh ndeko Jekoko Mulumba a déposé. Moi la mboka Boaz mbote na yo. Mbote moi la mboka. Ozali en direct ya Kleboa original Petcha Maloba officiel bandeko ba kolanda yo de partout dans le monde. Et loko to bengeli na mokolo ya lelo ezali par rapport ya plainte oyo eza déposé na tina na madame Kasongo Christine ozali bongo moi si ya honorable Jean-Marc Kabund Kabund. Est-ce que tokoi ko eba na Moulaï nyonso tina ya plainte wana? Oui, moi, la mouka, merci beaucoup. Dengue, au Fessinga Maloba, au Naleka, na Kleboa Original, na Tia Maloba. Okay. En fait, je suis là pour confirmer la plainte. Nous avons vu cette plainte sur les réseaux sociaux. Et selon le dernier appel que je viens d'effectuer avec la concernée, cette plainte, tout le monde est en vous. Madame Christine, la concernée, c'est Madame Christine. Oui. Exactement. Okay. Mais plainte Wana, elle n'est pas encore en possession de ça. Et parce qu'elle n'était pas d'abord à la résidence. Okay. Ça dit qu'on est là, Martine Lissoussou, pour la deuxième fois, afin que nous puissions en tout cas s'imprégner de cette plainte. Mais la petite histoire, Jekoko Mulumba a dit jeune naïe, jeune. Pour venir menacer la résidence du président Kabund, et la qui se met en derrière. Surtout, bah, où, bah, Kanaki Kabwa, bah, Bonaki, comment résidence, il y a président Kabund, ils ont qui, menacé, bah, Piné, bah, qui, Kotouma, bah, qui, ma barre et consort. Mmh. Et, comme citoyen, elle avait besoin de sa protection. Okay. On avait fait recours à des agents de la police. Malheureusement, bah, il a quitté. C'est comme ça que madame avait saisi, l'ambassade des États-Unis, mais aussi la Monisco, pour venir s'imprégner de la situation. Et dans ma vidéo, nous avions reproché, donc nous avions écouté les noms des Jekoko Mulumba cités par des jeunes au Latinx. Mais vous avez donc, quand même retenu quelques jeunes? Non, nous n'avions pas retenu parce que nous ne sommes pas la justice. Tout ça, ma police était. Mais ma jeune Wana Tango Bayaki. Il faut dire d'abord que King Kabwa, Eza ma jeune Oyo Bazara Pro Jekoko Mulumba, Naba jeune Moussous Bazara Pro Président Kabund. Donc, ma jeune Moussous Bazara Pro Président Kabund. Dans ma vidéo, Kabwa est partagé à deux. Voilà. Pardon? King Kabwa est partagé en deux. Donc, Ngambo Moussous Bazara Pro Nandeko Jekoko, Ngambo Moussous Bazara Pro Nandeko Jean-Marc. Exactement. Donc, pour la Bissot, c'était sans nul doute que ma jeune Wana, Izalaki, Jekoko Mulumba, Tinaki Bangou. Mais pour être beaucoup franc, Bissot Makambo Oyo, justice a lancé mandat Wana de comparution, et Tali Bissoté, Ezo Lakisa, comment la justice est allée manipuler et surtout soumis aujourd'hui à l'obédience et à ma individu au lieu d'être impartial. Parce qu'on ne peut pas comprendre que. Résidence, il y a président Kabund qui menacé au lieu justice a lancé une enquête
ici, ils ont lancé enquête contre, dans ils ont lancé mandat de comparution contre la personne qui est victime. Est-ce qu'ils ont là pour Bissot, vous allez vous condamner, Babi. Est-ce qu'après maintenant, soit on a bien peu beaucoup d'air comme on a justice? Non. Il est d'abord au débat de la loi que les procureurs puissent s'en saisir de ces dossiers parce que madame avait appelé la police a rien quitté. C'est ainsi que nous avions fait recours à l'ambassade des États-Unis, mais aussi. Vous plainte contre l'inconnu. Bon, on est droit, c'est un guibisso. Oui, mais c'est. Écoutez, le conseil juridique, il y a maman Christine, Baba Deposa qui. Voilà. Plainte contre l'inconnu, et jusqu'à ce jour, tu as suite à l'enquête, il y a dossier, on a été. Mais toujours comme moi. Comment on a le royo, mandat de comparution adressé à maman Christine, pour l'abissou, tous allez, comment la théâtralisation et la justice, il y a un mot qu'on abissou, au lieu d'être une justice qui fait confiance à tous les Congolais. Alors, Ndeko Boaz, tu as vraiment un moulaï, mingi lobby, na interview au Kopé Sabissou, na Katia Kleboa original, mais tout le gars juste et tout confirmé, information, ce qui est vrai, au Kolobani, na Balandino, soba Kolanda Bissou, na Kleboa, Petia Maloba. Oui, merci beaucoup d'abord pour l'occasion pour la confirmer les nouvelles. Je confirme encore pour la énième fois que nous avions vu cette mandat de comparution sur les réseaux sociaux et selon nos informations proches, c'est sûr que mandat voilà, ils allaient adresser à l'épouse du président Kabound. Mais nous, notre position est celle-ci. Bissot, mandat voilà, ils allaient juste justifier comment justice n'a pas la bisou, ils allaient être capables de sécuriser et de faire confiance à la patrouille. Je pense que dès que vous avez un problème, le président Kabound est dans la justice n'a pas la bisou. Donc, voir encore mandat de comparution adressé à sa femme, ils allaient acharnement pur et simple, ils allaient mouter Mamabe, ils allaient la haine contre la personne et la famille du président Jean-Marc Kabound. Donc, lobby, en tout cas, je vais me disponibiliser pour n'aller tous sur la Moulaï. Il est temps aussi pour moi de réunir encore d'autres éléments. Merci beaucoup, Ndeko Boaz. À chaque fois, tu as besoin d'informations et tu as parti politique Alliance pour le changement. Tu as besoin d'informations et d'informations à source. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. Donc voilà, Balandinyo soya Kleboa original et puis Tia Maloba officiel, Bolandi Binomokonde Ndeko Boaz a confirmé biso plainte. Donc la femme de l'honorable Jean-Marc Kabound wa Kabound a zali bongo convoqué na parquet alimenté, donc na parquet na tribunal de paix de Kinshasa alimenté. Alors Nanyo a porté plainte wana et zali bongo Jekoko Mulumbo Azali, vice-gouverneur de la République démocratique du Congo. Alors, biso ba caméra na biso ya Kleboa original, et qu'on a toujours wana pour nous informer, bino, concernant plainte Oyo, toi, que honorable Jean-Marc Kabound, à chaque fois, justice d'Agi na besoin na ye, abandaye ko kende na comité alisa na justice, alors, pour na plainte ya mwasi na ye, toi, bite soke ko la même cas. Alors, liso likola, liso tozali wana pour nous informer, bino, et nga na bino koutani prochainement, au revoir, bye. Kodia Simon vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombo Kachi, dans la commune de La Gombe. Référence rond-point Forestcom, venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simon, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya bana mboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngweza ka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku, mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o kolisa nango na poche. Et na kosi na poche ya veste o voyager o memi yango partout dans le monde, ici, qu'on a besoin, il y a câble HDMI,
courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais, congolais ka kamta oyé bango. Donc congolais ka mutaye bien. Congolais ka mutu oyé ba elengi nini yo yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est relative ça ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc c'est Pela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka. Avec c'est Pela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de c'est Pela TV. C'est Pela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami service, oyo, ya madame, Mireille Wakanke, Azawana Mobimba, Pona Binoba Diaspora, Bolingi, Kotinda, Mituka, Toba Koli, Nengen, Nengen, Koesite Nayote, adresse, Ezase Moko, 5, Boulevard Ornano, numéro 75-018, na Paris 16e. Awa, na République démocratique du Congo, na ville province à Kinshasa, Boko Zoyango, na Veni Maringa, numéro 83, référence, étoile bleue, na commune ya Kasavubu, soit, bo contacter la numéro Oyo. Maman Mireille Wakanke, tata Pambola yo, na yaka pamba pamba te, soko moni na ye, kombo na yo, na témoignage na yo, eke musika, pe betinga na motema, na mona ba agence, na sina moi oyo lukuteza makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ensemble asali fe publicité bato bazota la me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni ba kolinyo so bato batindaki nenge ba yebisa kinga yako ko contrôler na moni musala oyo sala wami service libote na nzambe. Bisita eko tinda biloko eza na wami service. Oui, yeboye ezalate ndeko ko sazardete agence eza kaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke a tient la disposition ya ba diaspora nyoso pour que boko misaka ba kolina bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie. Eh, wami service. Pardon, maman Mireille Wakanke, balinga pe ba congolais boete. Prix, ya mon bobé. Wami service, c'est pas Mireille Wakanke. Wami service, frappe na le, frappe na retour. Eyo kanie. Salon Nembe Wami, c'est elle qui te coiffe. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. C'est elle qui te coiffe.